Et on se retrouve pour la suite des épisodes. On voit qu'on a une petite mise à jour. Alors ça, je sais ce que c'est par rapport à mon autre compte. Voilà, on a le bonus des Grecs, là, qu'on vient de voir. On a été attaqué. Et oui, en ce moment, on voit, bon, mais il y a le message de défense. Et bah voilà, les fermes sont moins chères et elles produisent deux fois plus. Bon, alors, soit on les a bien upgradées, on en profite. Soit, par contre, on va... Hop! Parfait. Hop. Oh là là, on a un paquet de récompenses. Hein. Hop. Donc là maintenant, alors qu'est-ce qu'on a au niveau de... Oh, on est full en or. Donc bah là, on voit qu'on ferme tout ça. Bon, bah, on va améliorer. Hein. Allez, on va les récolter d'abord quand même. Ça, c'est toujours quelque chose à faire. En plus, maintenant, on a les jardins suspendus. Après, bon, bah, on ira se faire un petit... On ira upgrader quelques portes. Hop. Ouais. Ça, de temps en temps, vous voyez, quand vous avez beaucoup d'argent, il ne faut pas hésiter à dépenser là-dedans. Hein. Allez, les mines. Hop. Donc là, les fermes, on peut encore bien les upgrader. Bah, je pense qu'on va en profiter hein, quand même hein, de la réduc. Hein. Comme ça permet de faire quand même quelques remparts. La catapulte, normalement, bah, on est au max, d'accord. Bon, on va continuer à upgrader les remparts. Hein. Tac, tac, tac. 11 000, ça devrait largement aller. Oui, faut pas hésiter. Les remparts, c'est quand même clé hein, pour une défense de cité. Et vu qu'on va la refaire bientôt. Et voyez l'importance de connecter la route. Hein, bah, c'était utile. Là, on voit. Oh, bah. Et là, pour. Vous voyez, les archers nubiens, ça peut être bien pour détruire les bases. Hein. Mais nous, pour les ressources, ça va être les guerriers hittites et surtout les chasseurs montés. Hein. Donc là, eh ben voilà, chasseurs montés. On va aller se faire des petites cargaisons. Ah, bah tiens, ça coûte un peu plus cher. Normal, on a upgradé les moulins et les marchés. Hop, on va avoir une petite vue d'ensemble. Ça, on déblaye les arbres, hein, ça peut toujours apporter des couronnes. Vous voyez, les couronnes, elles n'arrêtent pas d'augmenter. Les serres, c'est pareil, ça augmente les couronnes. On va voir les quêtes. Ils nous font chercher les ruines. Bon, bah, de toute façon, hein, les quêtes, c'est bien de les faire. Donc, on va le faire. Alors ça, c'est l'unité spéciale des Grecs. Et elle est bien. Hein. Et PV 3300, ça peut être bien d'aller la débloquer, mais pour l'instant, on va pas... On va d'abord aller chercher les cavaliers à ressources. Parce que nous, il n'y a que les ressources qui nous intéressent, gagner des combats. En fait, c'est pas le plus important. Allez, les fermes, on va commencer. Je vois, bon... On va finir de déblayer. Hein. Hop, voilà. Voilà. Et bah allez, on augmente les fermes. Hop. 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 Là, il nous reste 1006. Donc en gros, bah on a 20 000 à dépenser dans les... On va voir s'il reste des remparts à poser en défense. Oui. On va s'acheter la porte. Hop, les remparts. Et il va falloir qu'on aille déblayer du terrain.
Et vous voyez, les coûts de construction, ils nous sont remboursés, hein. Là, on le voit en direct. Allez. 15 000, on peut encore en faire. On peut pas. Bon, bah voilà, c'est bien ça. Voilà. Là, au niveau des ressources, bon, on va aller se battre, hein. Je pense qu'on est bien. En plus, on a nos nouveaux. Tiens, on va voir le traité de paix. Ouais, 2 heures, bon, on s'en fiche. Oh, 16 000, c'est pas mal, 16 000. Donc lui, il a une caserne et 2 tours. Et là, on voit ce qui nous intéresse, les moulins ou les fermes, c'est bien réparti, hein. Donc là, on va poser, on va détruire cette garnison. Tout de suite, on va faire le point de ralliement sur la tour pour pas que on perde trop d'armées. On va se poser les mercenaires. Ah là, on va avoir les cavaliers à ressources. Donc il va viser l'entrepôt, puis après, normalement, tout de suite, il va aller viser là. Voilà. Et il va faire toutes les ressources. Nous, dans 10 secondes, on récupère notre point de ralliement qu'on va utiliser là-dessus. Hop. Allez. Vous voyez les cavaliers à ressources, la vitesse à laquelle ils vont? En général, c'est très compliqué de les toucher, en fait. C'est pour ça qu'il y a des attaques uniquement avec les cavaliers à ressources. Et puis là, ce qui est bien, c'est qu'ils vont tellement vite que normalement, ils devraient être. Ah, bah non, on n'a pas de chance, ils ciblent nos guerriers. Hein. Donc vous voyez qu'avec des guerriers, ça nettoie bien les bases hein, quand même. Hein. Et d'où l'importance de ne pas monter trop vite en âge. Là, vous voyez, c'est une ère classique. Vous voyez, on est l'ère du dessous, le début de l'ère du dessous, et il nous a pas du tout posé de problème. Hein. Niveau 22, je ne sais pas combien, quel niveau on est, mais vous voyez, ça veut rien dire là, à ce niveau-là. On a perdu que 3, 5 étoiles. Bon. Très facile. On est niveau 16. Oh bah non, on va utiliser reformer. Hein. Bon. Tac. Allez, camp de mercenaires, on va recruter si on peut en recruter un. Et on peut rien recruter du tout. Bon. Bah, c'est pas grave. On y retourne. Avec un peu de chance. Donc là, quand on va chercher, là on voit, il y a peut-être un bâtiment en construction. Là, on le voit bien. Et là, oh bah, y a rien à voler, donc on passe vite. Ouais, d'abord, on regarde bah, un peu le niveau, le nombre de ressources à voler. Alors lui, il a bien. Est-ce qu'il construit des choses ou est-ce que c'est quelqu'un qui a arrêté? Ouais, là, on voit, il construit là. Ah bah tiens, super. Allez, normalement le moulin. Alors, bon, les écuries aussi, on va y. Ah, je pense que c'est dans les fermes. J'espère qu'on va avoir assez de. Allez là. Au moins piquer quelques. Bon, voilà, c'est le combat vraiment raté là. J'ai pas su où c'était, enfin bon, catastrophe. On va voir combien ça nous coûte d'ailleurs. Je sais pas si ça va pas nous coûter plus cher à refaire l'armée que. Combien ça nous coûte? Bah non, on a gagné 1005 de nourriture. Bon bah, ça arrive aussi, hein. On a vraiment mal attaqué, j'en ai posé de partout. Enfin, un bon exemple de ce qu'il faut pas faire. Bon, enfin voilà. Bon bah, rendez-vous pour la suite une fois que les fermes seront terminées. Alors on voit qu'il y a des fermes de 8 heures. Je pense que je relancerai les autres ou que je ferai les caravanes. Ouais, je pense que je vais relancer là les deux petites fermes. Enfin voilà. On se retrouve pour la suite.